lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, c'était un signe, mais un signe dans le sens de prodige, de merveille. Lorsque tu traversais le Jourdain, c'est un grand signe. Lorsque Moïse te paraît devant Pharaon avec le bâton souverain, que la gueule à terre et le bâton en tournait et au serpent, et que serpent maintenant avalait les serpents de Pharaon, et que Moïse ramassait le bâton et puis le camel l'emmène, et puis magicien Pharaon sortit sans bâton, c'était encore un signe. Un signe qui montrait que Dieu a la domination et l'autorité sur tous les royaumes de la terre. Et que Pharaon, en tant que magicien et supérieur, grande puissance, grand empire à l'époque, ça montrait que le Seigneur a des pouvoirs pour le valer nation, pour le valer pouvoir, avec tout ça qu'il a gagné là-dedans comme puissance. Ensuite, l'Éternel voyait des signes, 10 signes. 10 signes que nous disons les plaies, nous les plaies, mais ce sont aussi des signes. Nous t'es allé plus loin pour nous démontrer aussi les tremblements de terre, les coups d'éclair que vous apprenez dans le ciel, hein, les coups de tonnerre qu'on n'a pas prêté attention, ce sont aussi des signes. Car dans Matthieu le chapitre 24, dans Luc le chapitre 21, le Seigneur aussi lui prononçait, lui annonçait, lui dit que l'heure pral tourner, l'heure pral vini, personne ne pas connaît l'heure, personne ne pas connaît ni jour ni l'heure. Mais il dit, il y aura des signes dans le ciel et des signes sur la terre. S'il dit, il y aura des signes dans le ciel, donc, l'obliger ouvert imagination, ouvert yeux nous, pour nous comprendre les signes des temps. Ah, donc, conseil d'événements qu'a parcouru aussi dans le gouvernement, parce qu'il y a un gouvernement qui tombait, il y a un gouvernement qui campait. Donc, le gouvernement est tombé comme ça, ça va durer un an même peut-être, parce qu'on venait pour travailler, pour manger, pour faire éducation petite, pour aller, mais il y a des signes qui n'ont pas accompli sous là. Au cas où il y avait un président en Égypte, président pas là encore. Au cas où il y avait un président en Irak, président pas là encore. Au cas où il y avait un président en Libye, président pas là encore. Donc c'est comme si on clean-up qu'a fait à travers le monde dans le gouvernement. Et année ça, son choc, comme des dires, son choc, est-ce que tout le monde s'est dit, le bon pape et puis pape là-bas est démissionné. Là-bas est démissionné après que tout le monde ait espoir que Libéral Bayon encore, ou peut-être ou 2, 3 ans, ou 4, 5 ans peut-être, ou bien jusqu'à ce qu'il mourit, parce que pape Jean-Paul II est mouru sur le trône. Donc voilà, c'est ça le premier espoir. Mais il était choqué, est-ce que il en a écrit comme ça et puis il va démissionner. Jusqu'à présent, il est choqué, parce qu'il faut qu'il fasse des démarches pour le joindre, nous remplacer en successeur, qui n'est pas facile, et parce qu'il y a des principes, des protocoles pour être capable de faire recherche de ça. Ça encore, son signe. Immédiatement, on était dit hier soir, le jour même qu'il va démissionner, un coup de éclat frappé Vatican, et puis qui tranchait et Basilique de Saint-Pierre. Si vous allez sur YouTube, immédiatement que je me tendais ça, me plonger dans l'internet, parce que vous connaissez, il y a des chercheurs, il y a aussi des satellites dans le ciel qui ont enregistré tout mouvement sur la Terre. Tout mouvement. Ça en fait encore son signe. Il y a ça, International Space Center, que vous placez dans l'espace. C'est un laboratoire très sophistiqué et très grand que vous placez dans l'espace. Vous montez de temps en temps à le faire des investigations et puis à le fixer certaines choses. Il y a aussi là-dedans, ça y est, le Hubble télescope, un télescope assez puissant qui a recueilli des images de l'espace et sur la Terre. Et sous la grande épingle à terre, ou capa kawel avec yeux naturels, mais Hubble télescope là, en haut de l'IA, il a regardé images aiguilles là qui tombaient à terre. Donc ça, c'est qu'aucun signe qui fait dans le ciel, parce que satellite là, il va mettre l'autre côté, on mettait dans le ciel. Maintenant, à cause de satellite, ça qu'on mettait dans le ciel, de International Space Center, ça que nous parlons là, qu'on mettait dans le ciel, ce grand laboratoire qu'on mettait dans le ciel là, pour vérifier ce qui a passé sur la Terre. Donc, c'est étonnant pour qu'on y ait là, dans toute la rue et dans tout coin de Carrefour, où on a une caméra. C'est pas pour rien qu'on mettait caméra, yo.
Ou quand dit, ah bon, il y a surveillé, mais nous mettez caméra pour raison bien précise. Il y a un bon exemple bien précis. Téléphone que vous avez, il n'y a pas baou, n'importe qui gens. Le bon téléphone, parce que vous connaissez normalement le téléphone qui est dans le monde, quelque chose, ou te mettre en bas, il y a besoin. Ou te mettre en bas, il y a besoin. Ou prendre comme utilité, mais qu'on device là-dedans, qui compte mouvement, quelquefois qu'on fait. Toute machine qui vient, qu'on y a là, il y a un microchip en dedans, qui fait que quelque soit côté machine là, il y a un peu de choses qui peuvent étonner. Peut-on passer à l'autre vitesse? Ou on fait un paquet de silence? On va sentir ça, ma Dieu, là. Non, ce sont des réalités. Moi-même, c'est ça me fait. C'est chercher, c'est fouiller. C'est fait des découvertes que je fais. Je vais être seulement dans la Bible là, parce que nous sentis les bagages, ils ont annoncé quelqu'un quelque chose. Maintenant, quittez ça parce que je ne veux pas vous sauter sur le là. Les raisons de tout cela sont seuls mots. Puis j'ai oublié ça. Son introduction m'a fait beau. Raisons de tout cela sont seuls mots. Contrôle. Contrôle. C'est seul dans ça, contrôle. Depuis le monde est monde, le diable est son seul objectif, c'est contrôle. L'Éternel finit de créer Adam et Ève, les paraître sous-côté en camouflage, en cachette. Pour le dire à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit? Regardez bien pour voir tout ce qu'a fait Dieu. Il a fait comme une conspiration. Amen. It's like a conspiracy. It is. Yes. You don't know what is happening in the world. Yes. They just happen. Mm-hmm. And you are in front or in you are facing the reality. But you just have fait et pour what reality en face. Ou pas qu'on ne fait rien. Amen. Ou seulement conformer. Donc songez bien ça. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un téléphone, non? Ce n'est pas dire que vous n'avez pas un iPad. Ce n'est pas dire que vous n'avez pas acheté une machine sophistiquée. Ça peut vous dire, hein? Ce n'est pas dire que vous n'avez pas entré dans le progrès. Hein? Mais ça peut me dire, c'est que, dernier temps, il y a un vaillant déjà. Soit dans le dernier temps encore. Amen. Je ne sais pas qui est dernier temps maintenant, parce qu'on est déjà là-dedans. Depuis là, Jésus est sous terre. Hein? Jésus te dit ça clairement. Amen. Que sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et depuis le Matthieu 24, il a annoncé ça. Il y a son cloche qu'on peut réaliser qui sonnait depuis en l'an 70. Il sonnait. Laisse ça, au bout de coffret, moi, au bout de coffret, personne n'a coffret. Son cloche a fait sonner. Qui ça y est? Le Matthieu 24, il était dit ça clairement. Il était dit, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Lieu saint. Il dit que celui qui lise fasse attention. Que vous m'appliez, faites attention. Donc ça veut dire que si m'applie, moi je fais attention. En de tes termes, comme ça m'applie. Comprendre ça m'applie. Et bien interprété. Bien interprété. Donc là, il dit lieu saint. Qui lieu saint me connaît? Lieu saint qu'on est, c'est Jérusalem. Lieu saint, c'est Jérusalem. À Jérusalem, qui est le lieu saint, il y a l'emplacement du temple de Salomon, qui est aussi un lieu saint. Donc, si on cherche un lieu saint dans le monde, où il y a la ville de Jérusalem et où il y a l'emplacement du temple. Vous parlez là, non? Vous comprenez ça me dire là? Il y a l'emplacement du temple. Maintenant, l'entier. La désolation, quand vous verrez l'abomination et la désolation, établie en lieu saint. Maintenant, levez-vous à tout regarder bien. Qui abomination et désolation qui n'a lieu saint actuellement? Lorsque, en l'an 70 de notre ère, ça c'est l'histoire, en l'an 70 de notre ère, il y a un grand général romain, Titus, qui prend Charul Passel à l'emplacement du temple de Jérusalem. Il détruit l'emplacement de la, le temple net complètement, et puis poussière, c'est poussière qui est l'emplacement du temple.
Et puis l'elfe finit, il prend tout ustensile d'or, ustensile précieux, Israël, yo, et puis il est parti avec eux, par contre, côté à l'arbre, le pied. Maintenant, après l'an 70 là, il a fini de faire ça. Quand il y a là, il y a tant d'arabes qui viennent prendre initiative à Palestine, en Palestine, arabes qui viennent prendre initiative en Palestine, avec un paquet d'autres nations, etc., qui fight la domination ou bien la possession de la Palestine, et puis brusquement, n'est-ce pas jugé bon, avec Mahomet, pour bâtir une mosquée. Mosquée a porté un nom historique. Il y aurait une mosquée d'Omar. Mosquée d'Omar. C'est parce que tu es en guerre. Et tu es un gros coquin chaîne potentat qui est le Omar. Qui t'a signé un contrat pour reconnaître qui est Palestine dans la ville de Mère. Donc, on est là pour identifier domination et autorité sur la Palestine. Ils ont obligé de bâtir mosquée pour adorer un Dieu étranger. Que tout le monde comprenne, c'est le vrai Dieu, que relève Allah. Dans leur langage codé, la ilah Allah, Mohamed Asul Allah. Ils n'ont pas adoré l'autre Dieu que Allah et Mahomet et son prophète. Donc, si on t'a campé devant un musulman ou dit Jésus-Christ est le prophète, la goumé on s'en va voir parce que le baron l'autre prophète que Mahomet. Amen. Et c'est ça qui a occasionné tout conflit ça à travers le monde. Parce que à l'emplacement du temple de Jérusalem, le temple bâti par Salomon, le lieu saint que Dieu avait choisi par David pour établir son temple, dans l'emplacement du temple, on adore un Dieu étranger qu'on appelle Allah. Ça, c'est l'abomination et la désolation. Bravo pour le Seigneur. Alors, sous nos yeux, les prophéties sont en train de s'accomplir. Donc, il faut les yeux ouverts pour comprendre les Jésus dit, l'abomination et la désolation établie en lieu saint. Et il dit que celui qui lise. Face. Attention. Donc ça, mon nom fait là, c'est le contrôle. Parce que gagner une super puissance, un super power, a man, an extraordinary man that should come to lead the world. Un homme extraordinaire qui peut venir, qui peut diriger le monde, qui peut gagner domination ou bien contrôle sur le monde. Côté lié, il met dans la seule place côté lié. Le monde tellement fini réduit par groupe la main avec technologie. Là, il y a contrôle sur tout le monde. Qu'est-ce qui est plus étonnant en psychologie? Lorsqu'on prend un son de musique qui est aigu, non son qui est aigu, le son agit sous brin nous. Il faut être pour vous. Les mettons dans une situation très très difficile. Alors, quel que soit ça que tu utilises comme instrument ou bien comme device pour faire contrôle sur vous, il est facile pour vous faire. Moi, montre mon bagage. Gardez bien pour vous. Ou pas, vous êtes addicté avec la télévision. Ou pas, dire, c'est vous. Parce que nous tombons de droit dans le monde. Nous tombons de droit. On ne peut pas dire que c'est vrai. Mais on va dicter. Pourquoi est-ce que nous allons dicter? Tout le monde qui est acheté devant la télévision, ou fait 2 heures de temps pour garder une movie, on va dicter. Pourquoi ça? Parce qu'on ne peut pas faire 1 heure de temps dans la prière. Parce que télévision va plus intéresser au que présentement. Mais oui. Bon temps personnel qu'on t'a de faire avec le Seigneur. Qu'on va faire. C'est ça que le serviteur se dit ça tout à l'heure. Le m'a tourné, est-ce que m'a fait dire ça? La foi sur la terre. Ça sont l'autre signe des temps qu'on va accomplir sur vous. Pourquoi ça? Parce que des 12 ans de semaine, non? Gon bonne maladie ou gagner ou pas de gagner. Parce que mon Dieu fait provision pour pas malade. Amen.